Salut à tous, Kevin Durant, indisponible, blessé, blessure relativement grave face aux Wizards en tout début de rencontre, indisponibilité annoncée au minimum pour 4 semaines, quelle est désormais la situation de cette équipe des Warriors? Est-ce que un retour vers les sommets et un nouveau titre pour la bande à Stéphane Lépis est impossible? Est-ce que, au contraire, finalement, les Warriors n'ont pas tant de raisons que ça de s'inquiéter? C'est ce qu'on va voir ensemble au travers de cette vidéo. Je vous livre mon analyse sur la blessure de Durant et l'avenir à court terme de ces Warriors de Oakland. Alors, les faits sont les suivants. Kevin Durant, c'est ce que vous voyez sur cette image, a été diagnostiqué avec un froissement des ligaments du genou et des petits débris de tibia au niveau de son genou. La blessure aurait pu être bien pire au vu des images, quand on voit vraiment le genou qui plie vers l'arrière. Je vous montre pas la vidéo, c'est trop atroce. Mais quand vous voyez le genou qui fait ça vers l'arrière, on se dit que la blessure aurait pu être bien pire. Toujours est-il que ça reste une blessure grave de niveau 2, que pour l'instant, les Warriors ont mis au repos Kevin Durant pendant 4 semaines et qu'à l'issue de ces 4 semaines, il sera réévalué. Donc, il est au minimum indisponible pendant 4 semaines, ce qui correspond grosso modo à ce qui reste de saison régulière. La saison régulière va s'arrêter vers la mi-avril. Donc, si jamais dans le meilleur des cas, Kevin Durant revenait au bout de 4 semaines, eh bien, il jouerait les tout derniers matchs de la saison régulière, histoire de s'échauffer pour réattaquer les playoffs. Dans le pire des scénarios, sa blessure met du temps à se résorber et il peut manquer le premier tour, voire le deuxième tour, voire pourquoi pas l'intégralité des playoffs. Dans quelle mesure sa blessure impacte l'équipe des Warriors? Dans quelle mesure sa blessure peut éventuellement barrer la route aux Warriors vers un nouveau titre? C'est ce qu'on va essayer de développer dans cette vidéo. Alors l'objectif, c'est pas d'essayer de lire dans une boule de cristal. Je ne sais pas faire et je n'ai surtout pas envie de vous proposer ça. Ça, c'est du charlatanisme, comme on en voit malheureusement beaucoup trop sur les sites d'actualité sportive. Moi, je vais essayer de m'intéresser aux faits et essayer, par des lectures de statistiques, de vous montrer dans quelle mesure son absence peut peser plus ou moins lourdement. Je vous propose de faire un tout petit bilan sur cette équipe des Warriors pour comprendre en quoi l'absence de Kevin Durant va être ou non préjudiciable. Toujours est-il que, présentement, les Warriors, première attaque de la Ligue, deuxième défense, meilleur bilan NBA. Il leur reste 22 matchs à jouer dans la saison régulière. Ils ont 3 victoires d'avance sur les San Antonio Spurs. Donc les Spurs, ils sont en embuscade, ils sont juste derrière, ils sont au contact. L'objectif des Warriors, ça va être de conserver, bien entendu, cette première place à l'ouest pour garder l'avantage du terrain sur tous les playoffs. On sait que les Warriors, ils ont l'une des salles les plus chaudes de la ligue. Donc avoir cette capacité de jouer potentiellement un match 7 à domicile, même si ça ne permet pas toujours de s'imposer, souvenez-vous les finales de l'année dernière, c'est toujours un avantage qui n'est pas, c'est toujours un avantage qui est un luxe, qui n'est pas, ça n'est pas rien. Donc, il leur reste 22 matchs. Sur ces 22 derniers matchs, il en reste 12 à domicile. Et sur ces 22, il y a 6 matchs face à des équipes à plus de 60% de victoire. Ils ont notamment, sur la fin mars, une séquence où ils jouent Wizards, Rockets, Spurs, Rockets et Grizzlies, je crois, qui va être un petit peu tendu. Mais sinon, globalement, leur calendrier sur la fin de saison, il est relativement confortable. Il n'est pas, c'est pas un calendrier à accident qui peut vraiment les mettre en difficulté. Ils ont une fin de saison relativement confortable, toujours avec des gros guillemets, parce qu'ils ont notamment une fin mars, début avril qui est un petit peu physique. Du côté de la productivité, de l'efficacité des joueurs, l'absence de Kevin Durant prive très clairement les Warriors du joueur le plus impactant et le plus productif de l'équipe depuis le début de la saison régulière. C'est le joueur, c'est ce que vous voyez ici, qui avait le meilleur PER, donc le meilleur ratio d'efficacité quand il était sur le terrain. C'est également
le joueur qui avait le meilleur win share, donc c'est la capacité à apporter des victoires pour son équipe, et c'est également le joueur du côté des Warriors qui avait le meilleur box score plus minus, c'est-à-dire que quand il est sur le terrain, par rapport à l'équipe adverse, en moyenne, cette équipe des Warriors a un scoring positif de plus 8 unités. Donc très clairement, quand Durant il est là, il carbure, il produit et les Warriors cartonnent. Et puis c'est aussi le joueur des Warriors qui avait la meilleure value over replacement, c'est-à-dire le poids du joueur par rapport à l'apport du remplaçant. Donc très clairement, les Warriors, en perdant Kevin Durant, ils perdent le joueur qui était le plus impactant pour l'équipe sur la saison. On s'en doutait déjà, mais les stats avancées le confirment. Et c'est toujours bien d'aller au-delà des intuitions et d'avoir une confirmation par les stats. Même chose, on est ici du côté du site 82games.com qui est extrêmement bien fait, que je vous recommanderais si vous voulez aller un petit peu mettre le nez sous le capot et aller lire des stats avancées. Voyez que Kevin Durant, il a un plus 19 en production par rapport à ses adversaires directs. Et entre le moment où il est sur le terrain et le moment où il est sur le banc, eh bien, il y a un ratio, un différentiel de pratiquement plus 12 unités. Donc, il a un simple rating à plus 16, ce qui est absolument excellent. Hein, ce qui est l'un des meilleurs simple ratings de toute la NBA. Voyons maintenant les différents 5 utilisé par les Warriors pour essayer de comprendre en quoi les Warriors peuvent bien jouer ou mal jouer quand il n'y a pas Kevin Durant. Voyez que dans le top 10 des 5 les plus utilisés par cette équipe de Golden State, on retrouve 6 fois un 5 qui intègre Kevin Durant. C'est logique, un des meilleurs joueurs de l'équipe, c'est logique qu'il soit un petit peu à toutes les sauces du côté des Warriors. Donc effectivement, son absence place les Warriors dans une situation où ils vont devoir explorer des 5 main units, donc c'est-à-dire des 5 sur le terrain, qui n'ont pas forcément beaucoup utilisé sur cette saison. Ce qui est quand même intéressant, ce qui n'est pas à occulter, c'est que dans le top 20 des 5 les plus utilisés, c'est classé par volume de minutes jouées. Donc pour que vous compreniez bien, par exemple, le premier 5, Curry, Thompson, Durant, Green, Pachulia, le 5 majeur de l'équipe, ils ont joué ensemble depuis le début de saison 508 minutes. Ils ont joué 508 minutes ensemble, et à contrario, ce 20e 5 a joué 21 minutes ensemble. Sur les 5e et 11e 5 les plus utilisés par les Warriors, on retrouve des 5 où il n'y a pas Kevin Durant. Curry, Thompson, Iguodala, Green, McGee, ce qui pourrait très probablement être un 5 majeur en l'absence de Durant du côté des Warriors, qui a un ratio entre points marqués et points encaissés en moyenne par possession qui est largement bénéficiaire, et un pourcentage de victoires extrapolé sur ce 5-là qui est aux alentours des 60. Et quand vous allez explorer l'autre 5 majeur potentiel en l'absence de Durant, Curry, Thompson, Iguodala, Green, Pachulia, vous avez à nouveau un ratio attaque-défense largement positif et un pourcentage de victoire à 13 victoires, 4 défaites au-delà des 70, donc un très bon pourcentage. Donc, Durant va beaucoup manquer, mais voyez que quand il n'est pas sur le terrain et que les Warriors alignent ce qui pourrait être leur meilleur 5 possible et le plus équilibré, eh bien, ils ont parfaitement réussi à composer sans lui. Donc, son absence, en tout cas, l'absence de la présence de Kevin Durant sur le terrain, n'est pas forcément un gouffre si énorme que ça pour la production des Warriors, parce que quand il n'est pas sur le terrain, eh bien les Warriors, ils ont parfaitement réussi à bien attaquer, à relativement bien défendre et au final à aller chercher des victoires. C'est également confirmé, on était sur 82 Games, là on revient sur Basketball Reference qui est un autre site éminemment précieux pour ce qui est des stats avancées. Voyez que le 5 sur cette saison 2016-2017 qui a rapporté l'excédent de points le plus élevé de la saison régulière, c'est le 5 emmené par Curry, Thompson,
Iguodala, Green et Pachulia. Donc finalement, le 5 qui a le plus cartonné sur cette saison régulière, par contre, attention, évidemment, il a très peu joué ensemble, donc c'est à relativiser. Mais tout ça pour vous dire que, en l'absence de Durant, les Warriors ont réussi à, avec cette unité-là, avec ce 5-là, ont réussi à les trouver de la performance, de l'efficacité. Donc, ça me laisse à penser que ils vont parfaitement s'en tirer sans l'absence, en l'absence, pardon, de Durant. Et voyez que sur les 25 les plus utilisés par les Warriors, j'ai extrait tous les 5 qui comportaient Kevin Durant. Donc on retrouve 6, 5. Et bien sur ces 6, 5, 5 du Kevin Durant, il n'y en a qu'un seul qui n'a pas un plus-minus positif. Donc, quand Kevin Durant n'est pas sur le terrain, les Warriors, ils ont quand même réussi, par rapport à leurs adversaires directs, à être dans une situation où ils marquent et ils encaissent plus et moins de points que leurs adversaires directs. Bref, ils ont un bilan positif. Par contre, là où ça peut être problématique, au-delà de l'apport de Kevin Durant, c'est que cette équipe des Warriors a, c'est ce que je voulais vous montrer là, a le deuxième meilleur banc de toute la NBA. Voyez que le meilleur banc de la NBA en termes de net rating, donc c'est-à-dire le nombre de points marqués pour 100 possessions par rapport au nombre de points encaissés pour 100 possessions, sur le net rating, les Warriors ont le deuxième meilleur 5 de la ligue. Et ce qui faisait la force de cette équipe des Warriors, c'était la capacité à aller placer avec les joueurs du 5 de départ qui sont des locomotives d'attaque, les Curry, les Thompson, les Durant et pourquoi pas les Draymond Green, ils arrivaient à placer un voire deux joueurs du banc simultanément avec les deux, trois ou quatre stars qui restaient ensemble sur le terrain. Et c'est comme ça que finalement cette équipe des Warriors arrivait à avoir un banc hyper efficace. C'est pas le 5 mineur des Warriors ensemble sur le terrain qui fait les merveilles. C'est pas Livingston, Ian Clark, Iguodala, David West et McGee qui, quand ils sont ensemble sur le terrain, font des miracles. Non. C'est quand les Warriors font, par exemple, souffler un petit peu Steph Curry, mais qui gardent Thompson et Durant sur le terrain, ils insèrent Livingston, et bam, vous avez Livingston qui arrive, quand il est sur le terrain, à amener les Warriors à un rendement offensif de 106 points marqués pour 100 possessions. Idem pour Iguodala, quand il arrive sur le terrain, épaulé par les superstars de l'équipe, l'équipe tourne à 114 points pour 100 possessions. Idem pour McGee. Quand il rentre sur le terrain, il est épaulé par les 4 stars, l'équipe tourne à 119 points par match. Idem pour un Ian Clark, idem pour un David West. Finalement, c'est vrai pour tous les joueurs du banc du côté des Warriors. Et là où l'absence de Durant va être un petit peu préjudiciable, c'est que, regardez, le sixième 5 le plus utilisé par les Warriors, c'était un 5 où le banc avait été très ouvert. C'est Livingston, Thompson, Iguodala, McAdoo, Green. C'est en gros 3 joueurs du banc qui jouent ensemble avec 2 titulaires. Eh bien, c'est le seul 5 dans ce top 15, on va dire. C'est le seul 5 qui a un plus-minus négatif. Et on retrouve un peu cette tendance quand vous avez Curry, Clark, Iguodala, Durant, Looney, quand vous avez 3 joueurs du 5 mineur qui sont ensemble sur le terrain, c'est pareil, regardez, au niveau de la 16e position, on a un plus-minus négatif. Donc là où l'absence de Durant va être préjudiciable, c'est que les Warriors, ils vont devoir ouvrir un petit peu plus leur banc. Ils vont devoir donc faire cohabiter plus de remplaçants ensemble sur le terrain, et c'est quand les Warriors ont entre guillemets trop de remplaçants qui jouent ensemble sur le terrain, qui sont en difficulté. Donc c'est là où cette équipe des Warriors va un petit peu se déséquilibrer. C'est pas tant dans le 5 de départ, parce que vous interchangez Kevin Durant avec Iguodala, ou vous interchangez Kevin Durant, pourquoi pas, avec Matt Barnes, et vous allez avoir un 5 qui va maintenir le même rendement offensif et défensif quasiment. Par contre, là où ça va être compliqué, c'est que
quand les Warriors vont ouvrir leur banc, eh bien ils vont être beaucoup plus souvent confrontés à des situations où il y a 2-3 remplaçants qui cohabitent ensemble, et les Warriors n'ont plus en sortie de banc des Barbosa, des Brandon Rush, des joueurs qui pouvaient comme ça être un petit peu des locomotives d'attaque. Ils ont Ian Clark, ok. Ils ont un peu Iguodala, ok. Ils ont un peu David West, ok. Mais c'est pas des joueurs qui vont tirer en attaque l'équipe en sortie de banc. Et c'est là où les Warriors peuvent être vulnérables. C'est finalement dans les séquences où, pendant les seconds quart-temps, pendant les fins de troisième quart-temps, début de quatrième quart-temps, quand les cinq mineurs vont s'affronter, quand les superstars vont être un peu au repos. Steve Kerr n'a aucun intérêt à effectivement tirer un petit peu plus sur ses stars, Curry, Thompson, Green, au risque de les fatiguer un petit peu avant les playoffs. Donc il va falloir trouver un juste milieu, et c'est peut-être là que les Warriors vont un petit peu plus s'exposer dans la production du banc et dans l'obligation d'ouvrir un petit peu plus le banc. Kevin Durant absent, on l'a vu, les Warriors pas spécifiquement dans la tourmente, contraints de trouver de nouvelles solutions, contraints de se réinventer un tout petit peu, mais rien d'insurmontable. On l'a vu, à Curry, Thompson et Green de prendre un peu le flambeau, ça peut même être l'occasion pour un Curry, pour un Thompson, pour un Green, d'avoir un petit peu plus de ballons en attaque, de reprendre un petit peu confiance, même si les Warriors et ces trois joueurs-là étaient sur une bonne dynamique, sur une bonne saison. Un Curry qui était un petit peu en deçà par rapport à la saison passée peut très bien bénéficier de l'absence de Durant pour avoir un peu plus de ballons, reprendre un peu confiance et retrouver le niveau qui était le sien sur la saison passée. L'avenir est plus du côté de l'infirmerie des Warriors sur la capacité de Durant à revenir frais et dispo pour les playoffs que sur la capacité de ses coéquipiers à tenir la boutique pendant qu'il est à l'infirmerie. Ils y arriveront, il n'y a aucun problème. Ça peut aussi permettre à Durant de souffler un petit peu, de mettre un petit peu son corps au repos et d'arriver frais pour les playoffs. Certes, il y aura peut-être 3-4 matchs où il faudra qu'il se remette dans le rythme, il sera un petit peu perdu. Mais le premier tour, quel que soit l'adversaire des Warriors, devrait être, même si Kevin Durant n'est pas à 100%, devrait être entre guillemets facile, ou en tout cas entre guillemets faisable pour cette équipe des Warriors. Donc l'avenir n'est pas sombre, l'avenir des Warriors n'est en aucun cas compromis. À Steve Kerr de remettre en confiance ses autres stars et d'utiliser à bon escient son banc. Je vous remercie de votre fidélité. Bon match à tous, bon NBA et bientôt bon playoff.